Tunisie. Et oui, bientôt week-end, ça passe trop vite. Donc aujourd'hui je suis de journée, c'est-à-dire que je commence à 8h et je finis à 16h. Bon, j'ai encore une fois pris mon parapluie. Hier aussi je l'ai pris, sauf que hier il n'y a plus, une fois que j'étais rentrée chez moi, donc voilà. Mais là ils annoncent la pluie un peu toute la journée, donc je l'ai pris avec moi parce que j'ai pas trop envie de sortir ou de rentrer sous la pluie. J'ai gardé ma natte que je m'étais fait hier, il y a quelques mèches qui partent un peu n'importe comment, mais je vous avoue que j'ai pas envie de tout refaire. Enfin, là vous verrez pas grand chose, là vous verrez encore moins grand chose. Bon, je suis dans mon garage, hein. Mais là étant donné que je commence plus tard, je sais pas du tout quoi m'attendre pour les places. Donc j'espère qu'il y aura des places bien, parce que bon, ça va, il est 7h33 et je prends à 8h. Mais voilà, j'espère qu'il y aura des places. Bon, ça y est, me voilà arrivé, j'ai cru qu'il pleuvait, mais en fait c'est quelqu'un qui passait en face en voiture et son truc pour laver sa vitre, c'est tout tombé sur ma vitre parce que j'ai senti l'odeur. Voilà, je prends d'abord mon parapluie, je vais me mettre dans mon casier et puis j'ai go et on se retrouve à 16h. Bon, me revoilà les gars. Oula, mais c'est quoi ces cheveux tous ébouriffés? Voilà. Avant dernier jour de stage, c'est terminé. Ça se termine demain. Ça passe trop vite, voilà. Bon, apparemment il y a beaucoup plus de tout à l'heure et tout. J'ai même pas fait gaffe. Ah, j'ai un cheveu qui tire. Et du coup, j'ai encore une fois emmené mon parapluie. Et pour l'instant, il ne m'a pas servi. Pour l'instant, il y a du soleil un peu entre les nuages. Donc, on va passer au plein. Je vais sortir du parking. En plus, à cette heure-là, il commence à avoir du monde sur la route. Donc, go chez le kiné. Changer. Ah, non mais c'est une blague. Il y avait du soleil quand je suis rentrée chez le kiné là. Bon, du coup, ma coupe de cheveux, voilà. Donc j'ai pas pris mon parapluie. Je sors et là c'est la tempête dehors. Je vous jure, le ciel est noir. Il y a du tonnerre et tout. Je vous jure, quand j'ai mon parapluie sur moi, il pleut pas. Et quand je l'ai pas sur moi, il pleut. Du coup, j'ai couru et tout. J'ai mon téléphone dans ma poche. Et en courant, vu que c'était ma poche de pantalon, je le fais tomber sur la route. Je retourne, je reprends. Enfin bref, je vais vous montrer franchement le ciel. On voit les gouttes de pluie, voilà. Mais le ciel est tout gris, hyper foncé et tout. Franchement, alors qu'il y a 2 secondes, il y a du soleil quoi. Enfin, il y a 2 secondes, une demi-heure. Donc bon, super, voilà. Donc il va être quasi 17h. Demain, c'est mon dernier jour de stage. Donc je voulais passer acheter quelques trucs à emmener pour demain, du coup. Mais je sais pas où je vais acheter. En fait, je sais pas par où je passe. Je pense que je vais aller à l'Inter. Christine pour la météo. Pas de franche amélioration. Parce que voilà, je pense qu'Intermarché c'est ce qui est le plus près là de où je suis. Donc bon, c'est parti. Ouf, j'étais en train de me dire, je crois que j'ai pas ma carte bleue, mais si, je crois que je l'ai. Ouf. Non mais vous entendez, à 2 secondes près, j'ai eu de la chance. En plus là, il y a des grêlons qui tombent. Super. Donc là, il y a des gros coups de tonnerre, il y a des éclairs et il y a de la grêle. C'est super, on adore, franchement. Mais il fait quand même lourd, hein, du coup. Enfin, il fait 15 dehors, mais là, dans la voiture, c'est trop chaud, quoi. Mes cheveux, c'est de pire en pire. Là, je sais pas ce que ça fait, mais voilà. Bon, ça y est, j'ai fait mes achats. Je vous montrerai une fois que je serai rentrée. Je suis hyper mal placée pour faire demi-tour, là, c'est super. Wow, wow. Non mais j'ai pris la caisse où c'est moi-même qui scanne les articles et l'autre derrière, je vous jure, insupportable. Donc elle attend derrière moi quoi. Enfin moi je passe mes articles tranquille et limite si elle posait pas ses articles sur mon truc alors que j'étais encore en train de passer mes articles. À peine je suis sortie, j'étais en train de les ranger dans mon sac et qu'elle commençait déjà à scanner ses trucs. Sauf que si tu scannes et qu'il y a encore des trucs, et ben ça marchait pas, du coup bien fait pour elle. Franchement voilà quoi, elle m'a saoulée. Je vous montrerai donc tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté quand même pas mal de choses. Enfin, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, parce que mon stage était bien. Aujourd'hui, ils m'ont dit que bah, tout le monde avait été content de moi et tout. Et j'étais bien accueillie, tout ça. Donc voilà, ils le méritent. Et puis ça sera pour, du coup pour nos petits déjeuners demain. Mais j'ai quand même pris un autre. Un petit paquet de petits gâteaux pour. Enfin bon. J'allais dire pour ceux qui seront là, genre ce week-end ou la semaine prochaine. Mais je pense que le paquet. Ne va pas tenir très très longtemps, voyez-vous, ça se trouve même que demain il n'y aura plus. Bon, me voilà rentrée, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Je viens de poser mon appareil photo sur de l'eau, super. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Bah je sais pas moi. Bah que je viens de rentrer. Je suis allée à la boîte aux lettres, il n'y a pas de colis, donc en ce moment il n'y a pas trop de colis hein, les gars. Donc là il faut que je... Mon copain m'a demandé de lui scanner sa carte d'identité et un RIB, donc je vais faire ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'aurais pris
des petits Kinder Bueno Mini, voilà. J'ai acheté de la farine, super. C'est pas pour leur emmener un paquet de farine. J'ai acheté du fromage râpé, c'est pareil, ça c'est pour chez nous. Alors en fait, j'ai plein d'autres choses à acheter pour chez nous, sauf que là j'avais pas le temps de faire des grosses courses et j'avais pas de sac, tout ça, enfin bref. Sinon, je leur ai acheté aussi du Nutella, voilà. Du sucre en poudre, sucre glace, pardon. Et de la confiture fraises et fraises des bois. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que pour demain, je vais faire des crêpes. Du coup, leur pot de Nutella est quasiment vide, ils ont pas mal de confiture vide. Donc je me suis dit que sucre glace pouvait bien passer aussi avec les crêpes. Donc je me suis dit, comme ça, je leur amène des crêpes avec du Nutella, de la confiture, sucre glace et des petits Kinder Bueno. Comme ça, ça nous fait notre petit déjeuner demain matin. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse les crêpes aussi. Donc je vais me laver les mains, tout ça, faire la pâte à crêpes. Et puis ensuite, il va falloir attaquer les crêpes. Voilà. Puis, je pense que j'en mangerai une quand même. J'ai trop envie, j'ai faim. Il faut absolument que je mette ma vidéo sur YouTube aussi, oui, c'est ça. Parce que je l'avais pas planifiée. Elle devait sortir à 17h, il est 17h35, mais bon, j'étais pas chez moi et depuis le téléphone, je pouvais pas le faire. Donc il faut absolument que je le fasse maintenant. Je regarde mes mails et je vois quoi. Il y a quelqu'un qui a le même nom de famille que moi qui m'envoie par mail des billets pour aller de Besançon jusqu'à Montbéliard. Pour une Peroema, donc moi, mais qui est née en 2000, le 5 août 2000. Donc je sais pas si c'est une erreur d'adresse, mais c'est pas pour moi. Mais si c'est une erreur d'adresse, c'est-à-dire que la fille s'appelle Peroema et qu'elle habite à Besançon aussi. Je vais répondre en disant non, désolé, mais bon, si jamais je veux, je peux avoir des billets pour aller à Montbéliard sans souci, quoi. Super. Bon, ma vidéo est en ligne. Ça y est, j'ai fait la barre d'infos. Si c'est là. C'était ça le plus long. Oh là là, j'ai du mal. Faut que je trouve une recette de crêpes, mais ça va être vite fait, hein, voilà. J'avais un truc à vous dire par rapport à l'épisode de Pretty Little Liars que j'ai oublié de préciser hier parce que je vous ai parlé que du positif dans le vlog d'hier, mais il y a quand même des trucs qui m'ont déçu. Alors, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment ridicule et inutile, c'est la... Bah attendez. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode 20 de la saison 7, ne m'écoutez pas. Voilà. Passez... Je noterai en bas combien de minutes il faut passer. Voilà. Donc, attention, je te vois, ne te fais pas spoiler. Du coup, ce qui m'a déçue, donc, c'est à la fin en fait. Quand on voit toutes les filles là. Ah, avec la pote de. Comment elle s'appelle? A2. Non, bref, je sais plus. Bon, en gros, ça fait comme si c'était les nouvelles Liars, voilà. Et bien en fait, je trouvais cette scène inutile parce qu'en fait, après cette scène, tu te dis. T'as l'impression qu'en fait tout va recommencer quoi. Et du coup je me suis dit qu'ils auraient dû s'arrêter où tout se finit bien et tout. Que Anna elle annonce qu'elle est enceinte, tout ça, voilà. Ils auraient dû s'arrêter à là, hop, tout se finissait bien, tout était revenu dans l'ordre et voilà. Sinon un autre truc, je trouvais que franchement c'était assez tiré par les cheveux. Que ce soit donc la sœur jumelle de Spencer, donc Alex. Voilà, je trouve que c'était un peu tiré par les cheveux, mais j'ai vu plusieurs photos sur Twitter en fait, où on avait un gros indice en fait sur la couverture de Pretty Little Liars. Je vais essayer de vous trouver la photo. Vous voyez en fait tous les yeux de chaque fille en fait, et enfin chaque fille on voit un œil. Je vais vous montrer l'image, ce sera plus simple. Hein. C'est donc cette image là. Donc vous voyez un œil de chaque fille, il n'y a que Spencer où on lui voit ses deux yeux. Donc en fait c'est un gros indice, voilà, je pense que maintenant du coup vous comprenez cette image, mais voilà. Bref, c'est pas tout ça, en fait à la base je m'étais fait cette natte pour comme ça je m'étais dit ouais je pourrais tourner des vidéos et tout, sauf que j'ai fini à 16h, mais j'étais pas du tout à 16h chez moi vu que j'ai des trucs à faire après. Donc là c'est parti, je vais mettre un petit vlog, il est 18h, c'est l'heure du vlog de Mia Baby Chou, voilà. En vrai j'ai plein d'autres vlogs à regarder. Je suis assez en retard dans les vidéos YouTube, j'ai plus trop le temps. Ah, le vlog d'Emilia Babichou n'est pas encore en ligne, il est 18h01. C'est pas grave, j'ai les vlogs de Tanguy et Noémie, de Allo Maman, de... Enfin tout ce que vous voulez franchement. Je regarde quasiment que des vlogs en ce moment. Ah ça y est, elle est sortie finalement. Du coup je vais me prendre un saladier, me prendre mes instruments, oui bien sûr, mes ingrédients et faire la pâte. Bon voilà c'est parti. Je vais payer 4€.
Moi je suis en train de faire les crêpes, j'en ai goûté une, je les mangeais quasiment pas cuites, j'adore, elles sont presque pas cuites, donc je vais essayer de la les faire pas non plus presque pas cuites parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Voilà, genre comme ça, ça va le faire. Voilà, voilà. Franchement ça me donne trop faim, du coup j'étais obligée d'en manger une parce que j'ai faim, il est 18h30 et je me suis tâchée aussi. Super, je suis mis de la pâte à crêpes dessus. Bon, ça avance, ça avance. Bon, je suis toujours dans mes crêpes. Voilà, j'en ai déjà fait pas mal franchement. Je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en aura une quinzaine, on va dire, voilà. Sinon, quand j'ai été chez le kiné, franchement, il m'a fait faire, bon il m'a fait avec la gym ball, ça je pourrais le faire à la maison, mais avec un autre truc, un espèce de rouleau là pour la récupération musculaire. C'est vraiment sale ces tâches, mais bon, c'est sec, tant pis. Et franchement, ce truc, mais ça m'a fait trop mal au dos quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais raconté. Intéressant. Donc là il est quelle heure, 18h54, il faudrait que je prépare parce que demain il faut que je filme des vidéos, l'après-midi je vais essayer d'en tourner au moins deux et il faut que je réponde à une FAQ Instagram, donc du coup ce serait bien que je regarde les questions qu'on m'a posées, que je screen les questions auxquelles j'ai envie de répondre parce que là c'est un peu le bazar, il y a un peu trop de questions. Il y a une autre vidéo qu'il faut que je filme. J'ai des mails à répondre, j'en ai 260. C'est une blague. Trop bizarre, je suis en train de regarder mes mails et j'ai reçu un mail de colis CMO qui me disait que j'allais recevoir un colis aujourd'hui. Heureusement, je viens de regarder le numéro de suivi. Je l'ai pas reçu parce que j'allais dire si jamais je l'ai reçu mais qu'il n'était pas dans ma boîte aux lettres, c'est qu'il y a un souci. Donc on verra bien demain. J'ai reçu un autre mail Colissimo pour un autre colis demain. Donc peut-être qu'il y aura des ouvertures de colis demain du coup. J'ai presque fini toute ma pâte à crêpes. Voilà, je vais peut-être en laisser. Je pense que demain matin, je vais en prendre une avant de partir. J'aurai trop faim. Et qu'on a plus genre de pain de mie. Souvent, le matin, quand je prends tôt en stage, je prends juste genre un kiwi et du pain de mie, genre avec du Nutella ou quoi. Juste pour avoir un petit truc dans le ventre, pas faire un gros petit déj, puisque j'ai pas le temps, j'ai pas forcément super faim, puis que je peux redéjeuner en stage. Mais au moins avoir un petit truc dans le ventre. Et là, il n'y a plus rien. Bah je dois, enfin il doit me rester peut-être un kiwi. Non il y a même plus de kiwi. C'est la fin des haricots les gars. Donc voilà, je sais pas si vous voyez mais il en reste vraiment un petit fond. Je pense qu'il me reste pour 2 ou 3 crêpes max hein, franchement. Donc voilà, je vais demander à mon copain s'il en veut pour demain matin. Parce que là, je sais pas si vous allez voir mais il y en a plutôt pas mal. Bon il est 19h14, mes petites crêpes sont là, c'est fait, j'ai fait la vaisselle sauf de la poêle parce qu'elle est bouillante donc voilà. Je vais vous laisser pour ce vlog parce que mon copain va bientôt arriver, on va manger tout ça puis comme je prends hyper tôt demain, bah, je vais me coucher super tôt, voilà. Puis c'est tout, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.